Laura Smet est une femme pleine de surprises. Après avoir scintillé sur le tapis rouge lors du dernier festival de Cannes, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday était de retour à Paris. Ce lundi 29 mai, elle était l'invitée exceptionnelle de l'émission Culture Box, diffusée sur France 4. Dès son arrivée, Daphné Burki et Raphaël Yem ont voulu en savoir plus sur la comédienne et chanteuse. Si Steve Recon est un peu gourmand ici et on aime bien apprendre des choses qu'on n'a jamais entendues ailleurs. Alors vous, Laura, quoi est-ce ce qu'on pourrait apprendre de vous qu'on ne sait pas encore? A demandé l'ancienne présentatrice des maternelles. On va peut-être le découvrir pendant l'émission. Je ne sais pas moi. Quelque chose que personne ne sait? Un petit truc comme ça que personne ne saurait? A-t-elle rebondi, faisant mine d'entretenir le suspense. Par exemple, moi, je ne peux rien faire si je n'aille pas les sourcils maquillés, a-t-elle dévoilé. Une révélation pour le moins inattendue, qui n'a pas manqué de faire sourire ses interlocuteurs. Et Laura Smet de détailler à propos de cette obsession, si est-il à dire que s'il y a un immeuble qui crame, je n'ai rien à faire. On me dit, tout le monde dehors. Non non, d'abord tu me maquilles les sourcils, je préfère cramer maquillé que cramer sans rien. Donc si est-il le seul truc. Je ne peux pas partir de chez moi sans mon crayon de sourcils, voilà, a-t-elle affirmé. Si est-il tellement bien comme détail, cesse d'amuser Daphné Burki. Maintenant, tout le monde le sait, a souligné la maman de Léo. Supérieure à Laura Smet, qui sont les hommes qui ont compté dans sa vie? Laura Smet, sa mise au point après une rumeur persistante. Laura Smet serait-elle attirée par l'appel du large? Dans un entretien accordé à Madame Figaro en ce mois de mai, la demi-sœur de David Hallyday s'est plongée dans ses souvenirs d'enfance, se rappelant ses vacances passées au bord de l'eau. À 13 ans, je suis tombée sous le charme du Cap Ferret et de la famille de Benoît Bathérotte, figure emblématique des lieux. Un endroit où elle a d'ailleurs hérité d'une petite maison à 2 minutes à pied de la mer. À ceux qui auraient alors pu penser que l'actrice a posé ses valises dans la région, il n'en serait rien, comme elle l'a précisé dans une story Instagram ce lundi 29 mai, j'habite à Paris pour info. Beaucoup de monde pense que je suis partie, mais non. La fille de Nathalie Baye, qui aime se rendre au Cap Ferret, réside donc principalement dans la ville lumière. Crédit photo, capture d'écran France 4.